Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Le championnat de France de breakdance a fait étape ce samedi à Troyes. On en parle dans quelques instants avec notre invité, Tony Bonnet, référent interrégion pour le Grand Est. Direction les Ardennes ensuite, où une ponette s'est récemment rendue au centre de santé de Charleville-Mézières. Et puis on terminera avec notre séquence quotidienne « Moi président ». Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. Le premier tour de l'élection présidentielle a lieu ce dimanche. Pour l'occasion, toutes nos équipes seront mobilisées. Dès 20h, retrouvez sur nos sites internet l'ensemble des résultats ainsi que les principales réactions nationales et locales qui seront également diffusées sur vos télévisions digitales. Et puis évidemment, une analyse complète dans votre journal de lundi. Les portes du service des urgences de la clinique Courlancy de Besanne seront une nouvelle fois closes ce week-end. Une fermeture effective depuis ce vendredi et jusqu'au lundi 11 avril, 8h. Les patients souhaitant se reporter sur le CHU doivent se renseigner avant de se rendre à Maison-Blanche. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims, a été réélu à la tête de la Conférence des évêques de France. Annonce faite ce jeudi à l'issue d'une assemblée plénière organisée à Lourdes. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort occupe cette fonction depuis 2019. Et enfin, la forêt de Ré vient d'être classée forêt d'exception. Il s'agit de la 15e en France. Ce label, décerné par un comité scientifique, s'accompagne de 21 actions portant sur son exploitation, sa mise en valeur et ses liens avec le château. Tous les détails dans votre édition de samedi. Le breakdance sera à l'honneur ce samedi à Troyes avec une épreuve interrégionale qualificative pour les championnats de France. La rédaction de l'Est Éclair a voulu en savoir plus. On a la chance de pouvoir déjà avoir une école qui fonctionne depuis plus d'une dizaine d'années, 15 ans exactement, notre association, 17 ans précisément. Et depuis l'arrivée des JO, on arrive dans des découlements officiels, ce qui n'était pas toujours le cas jusqu'alors, ce qui n'était même pas du tout le cas jusqu'alors. Je pense me revendiquer quadruple champion du monde en vue des événements qu'on a déjà faits, comme beaucoup d'autres danseurs le font, mais finalement c'était juste des événements qu'on a gagnés. Mais là, aujourd'hui, il y a une équipe de France officielle et ils ont aussi le statut de danseur haut niveau. Et on a la chance d'avoir une jeune déjà, Mariva Ouaro, avec qui on a pu faire une session juste avant. Puisqu'on a l'étape du championnat de France pour la région Grand Est et Hauts-de-France qui se déroule chez nous à Troyes. Et l'objectif, c'était de bien évidemment de pouvoir la préparer au mieux pour qu'elle puisse nous représenter. C'est le minimum qu'on puisse faire, c'est d'avoir un représentant troyen sur cette compétition, même il n'y en aura plus qu'un d'ailleurs. Il y a d'autres enfants de l'association qui vont pouvoir y participer. Mariva, c'est un petit peu plus spécifique parce qu'effectivement, elle est dans la liste ministérielle des danseurs de haut niveau aujourd'hui dans la spécialité breaking et elle bénéficie d'un accompagnement hebdomadaire maintenant. Et on est ravis parce que c'est une des évolutions, une des choses en plus que nous a apporté les JO. Et on espère qu'on en aura, notamment grâce à l'étape de samedi, beaucoup d'autres qui pourront intégrer cette équipe de France. Donc c'est la qualif battle étape sélective pour la région Hauts-de-France Grand Est. On aura les représentants du territoire sur 4 catégories qui représenteront le territoire à la finale nationale à Bordeaux le 12 juin. J'ai découvert le breakdance quand j'étais en parc de loisirs, au centre de loisirs. Un animateur, il m'a vu, je bougeais beaucoup dans la salle et tout. Du coup, il m'a dit, toi, je te verrais bien faire du breakdance. Au début, je ne savais pas c'était quoi. On a présenté à ma mère et mon père. Ils n'étaient pas trop d'accord avec ça parce que c'était un milieu assez garçon. Et après, au fur et à mesure du temps, ils ont vu que ça me plaisait beaucoup et que j'y allais tout le temps. Et bah, du coup, c'est comme ça que j'ai fait du breakdance.
m'entraîne tous les jours. Je vais à la salle le mardi et le jeudi. Et aussi, on a un entraînement le dimanche récemment. Et sinon, tous les jours, je m'entraîne l'après-midi. Dès que je sors des cours, je m'entraîne. Je m'entraîne 2 heures. Et le lundi seulement, je fais un petit peu de renfort musculaire pour tonifier un petit peu. Les épreuves, c'est un battle normal en fait. Un face-à-face. Oui, un face-à-face, question-réponse. On danse et voilà. Et du coup, ce sera un battle normal. Le jury, il vote celui qui, pour lui, a mieux dansé. Pour une petite ville comme nous, d'avoir des gens qui ont été présents à la genèse du hip-hop dès les années 80 et jusqu'à aujourd'hui, finalement, ça reste quand même assez rare sur le territoire national. Et malgré tout, on arrive chaque année ou chaque 5 ans à sortir des champions et des gens qui arrivent à un petit peu à ressortir du lot. Et on se battra pour que ce soit toujours le cas. C'est aussi pour ça qu'on met ce type d'événement en place sur notre territoire. C'est parce qu'on veut montrer qu'on a aussi un réel savoir-faire et qu'on a notre place comme n'importe quelle grande ville sur le paysage du break français et international. On est sur un événement assez historique. C'est les premiers événements, on va dire, officiels reconnus par la fédération, par le ministère. Et on attend du gros niveau de cette discipline qui est olympique, qui va avoir le jour à Paris 2024 au JO. Et on aura la crème de la crème des meilleurs du territoire qui vont se battre pour avoir la place pour aller à la finale nationale. Le pouvoir apaisant des animaux n'est plus à prouver. Nouvelle illustration, il y a quelques jours, au centre de santé de Charleville-Mézières, où une ponette a rendu visite aux résidents. Regardez. Allez, c'est bien. Voilà, appuie sur zéro. C'est la fin de cette édition. Juste avant de se quitter, je vous propose de découvrir le dernier épisode de notre série « Moi président ». De mon côté, je vous retrouve ce lundi à partir de 18h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. « Moi président de 2022, je ferai en sorte qu'il y ait une meilleure plan de relance pour, en ce qui concerne les compétences en France, la valorisation du marché du travail et l'éducation nationale. » Je considère qu'il n'y a pas assez de fonds et pas assez d'engagement et d'aide en ce qui concerne ces mesures-là. Donc la réinsertion des jeunes dans les milieux du travail, également un meilleur accès à la formation, un meilleur accès à l'aide et pour les moins et les plus de 26 ans, c'est ce que je ferai en première mesure.